Quel jour sur mon téléphone aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui les amis on se trouve du coup pour une vidéo assez spéciale. Du coup qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui nous allons faire un ne choisissez pas le mauvais Choupi. Et donc du coup pour cette vidéo les amis nous allons avoir 3 Choupi. Donc du coup ça sera 3 petits pingouins comme vous savez parce que Choupi c'est un petit pingouin. Et donc du coup on aura 3 Choupi. Donc on aura celui qui est normal, donc celui que vous connaissez sûrement déjà. On aura un Choupi tout simplement bébé. Donc du coup voilà en format un petit peu miniature qui sera vraiment tout petit et plutôt mignon je pense. Et pour finir les amis nous aurons un Choupi à 3h du matin qui devrait normalement si je dis pas de bêtises être vraiment effrayant. Sauf qu'on entrera dans cette base que lorsqu'il fera nuit. Donc du coup voilà, juste avant de commencer la vidéo en tout cas je compte sur toi pour que tu t'abonnes à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, ça me ferait déjà extrêmement plaisir. Et puis comme ça tu pourras faire partie tout simplement de mes abonnés etc etc. Et puis parce qu'en ce moment les abonnements sont gratuits mais un jour ils pourront peut-être être payants. Et dans ce cas là tu ne pourras plus t'abonner aux chaînes que tu adores. Donc du coup dès maintenant abonne toi bien à la chaîne avant que ça devienne payant. Parce que pour l'instant c'est gratuit et profites-en bien. Bon du coup nous c'est parti, on va pas plus parler. On va directement entrer dans la première base. Donc du coup celle de Choupi normal. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il voudrait que je l'aide. En quoi il voudrait que je l'aide, parce que comme vous le savez chacun, maintenant chacun des personnages a toujours une mission à me proposer. Et la mission est toujours plutôt en plus plutôt sympa, plutôt cool. Donc c'est parti tac, on entre dans la base et oh, ok, bon bonjour Choupi. Salut, ça va? Donc du coup, je sais pas du tout qu'est-ce que ce Choupi là. Bon, du coup Choupi, je suis venu te voir un petit peu parce que je voulais savoir, est-ce que déjà t'aurais besoin d'aide pour quelque chose? Moi je suis venu là parce que je me demande si t'as besoin d'aide en fait. J'ai besoin d'une salle de cours. Une salle de cours? Attends, oui. mais comment, pourquoi tu veux une salle de cours alors que c'est les vacances? Là, profite des vacances, non? Non, c'est bien. Bien l'école. Bon d'accord, ok, bon bah si elle insiste tant, si Choupi pardon insiste tant, je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va lui construire une petite salle d'école. Donc c'est parti. Alors du coup pour construire une salle de classe je pense que vous savez comment faire. On a besoin d'escaliers tout d'abord. On va avoir besoin ensuite de clôture et puis de tapis. Donc du coup voilà, hop, j'espère que tac ça passera tranquillou comme ça. Voilà, alors du coup ce qu'on va faire c'est que ici là on va faire du coup ta petite salle de classe. Alors du coup on va faire un petit comment on pourrait faire ça? Attendez, je suis en train de regarder un petit peu. Tac, à moins qu'on fasse ça comme ça. Ou plutôt comme ça, je sais pas. Ouais, ça fait un peu bizarre. On va faire plutôt deux comme ça, je pense. Deux comme ça, une là. Avec ensuite la petite table pour écrire, voilà. On va ensuite en mettre une là. Voilà, tac, avec la petite table. Ouais, non, ça fera déjà trop proche. Bon, et bah tu sais quoi, Choupi, dans ta classe, il pourrait y avoir que deux personnes, d'accord? D'accord. Parce que sinon, après, ça risque d'être un petit peu trop... Trop petit en fait, et puis voilà, c'est pas une base faite pour avoir une salle de classe. Mais bon, vu que tu en veux absolument une et que tu insistes tant, bah je vais t'en construire une. Donc voilà, alors donc du coup on va commencer par cette étape là. Ensuite du coup on va s'occuper maintenant de faire le petit tableau. Alors on va pas faire non plus un tableau géant parce que le problème c'est que c'est encore une fois comme je l'ai dit un peu petit. Donc du coup voilà, hop, comme ça je pense que ça peut être pas mal. Voilà, et puis bah en dessous on va mettre un petit truc comme ça. Tac, voilà je pense que c'est pas mal. Ok bon. Et bah du coup voilà je pense qu'on est bon pour ce qui est de ton tableau. J'espère que ça te plaira. Puis bah voilà, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à me demander ou ça suffira? C'est nickel. C'est nickel, bon bah c'est parfait dans ce cas là. Est-ce que tu aurais pas un petit cadeau à m'offrir avant que je parte d'ici? Parce que voilà je t'ai quand même fait une jolie petite base tranquillou voilà. Avec ton petit tableau pour pouvoir écrire et faire tes calculs et tout. Tu vas faire quoi comme cours là dedans par exemple? Je vais faire un cours de chant. Un cours de chant? Bon, bah c'est vrai que c'est pas trop adapté à faire un cours de chant, tu vois, tu peux faire n'importe quel cours, mais les cours de chant, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, si tu peux quand même y arriver, je pense que tu peux y arriver. Et il sera quoi? Il s'appellera comment ton professeur? Choupi. Choupi? Mais c'est toi, Choupi. Bah oui, c'est moi le professeur. Ah, c'est toi le professeur? Ah, d'accord, ok. Bon bah tu sais quoi? Et bah si jamais un de ces quatre, je peux venir pour que tu m'enseignes un cours de chant, moi je veux bien, d'accord? Bah je peux en faire un maintenant si tu veux. Ah ouais bah vas-y bah je t'écoute chanter alors vas-y. Alors 3, 4, salut c'est moi Choupi, je marche vers l'école, j'ai de nouveaux amis, tous ensemble on rigole. Bah vas-y continue. Bah après c'est, non on est plus des petits. on attend la folie. Non la sonnerie, nanana, viens à l'école avec... Choupi. C'est parfait, nickel. Bon et bah du coup merci pour ce petit chant Choupi. Est-ce que t'aurais pas un petit cadeau à m'offrir avant que je parte d'ici du coup? Cours de chant gratuit. Oh bah merci beaucoup, bah tu sais quoi, je reviendrai un autre jour, j'espère que t'auras une autre chanson à m'interpréter et que cette fois-ci tu la connaîtras par cœur parce que celle-là elle était pas par cœur hein. Donc du coup voilà, bon moi j'y vais, je vais prendre, bah on va partir, je vais juste faire un petit trou ici je pense, voilà comme ça. Ok bon, allez à plus Choupi hein, c'était cool. À plus.
plus. Voilà. Bon, bah du coup, les amis, comme vous avez pu le voir, c'était plutôt sympathique du côté de chez Choupi. Comme vous avez vu, Choupi est donc du coup un professeur de chant. Donc n'hésitez pas à venir en commentaire si jamais ça vous dirait que je fasse une vidéo tout simplement où on est avec Choupi et voilà, qui m'apprend un petit peu à chanter. Donc du coup, voilà, nous c'est parti en tout cas. On se retrouve maintenant pour la deuxième base, du coup, celle de bébé Choupi. À tout de suite. Donc du coup les amis, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie du coup de cette vidéo. On va maintenant entrer dans la base du coup du bébé Choupi. Alors voilà, le bébé Choupi qui est juste là. Hop, allez, on va monter du coup les petites échelles hein. Hop, c'est parti, tac, les petites échelles. Hop, allez, voilà, nickel. Bon, et bien c'est parfait, on est donc du coup en haut de cette petite de cette petite base simplement. Donc c'est parti, tac, on entre, 3, 2, 1, let's go. Ok, oh oh, bah il y a le bébé Choupi qui est en train de dormir je crois. Oh, ah bah non, il est en train de pleurer. Choupi, coucou. Oula. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai plus mon doudou. Oh non, et tu l'as mis où ton doudou? Je sais pas, je l'ai perdu. Oh mince. Bon, les amis, comme vous entendez apparemment, bébé Choupi a perdu son doudou et il est vraiment très triste. Bon, ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais essayer de chercher son bébé, son petit doudou, où est-ce qu'il pourrait être. Alors du coup, comme on peut le voir, il y a des tapis vraiment partout dans cette base, donc il est possible que le doudou soit tombé sous un tapis qui essayait. Alors du coup les amis, c'est parti, tac, on va regarder un petit peu près partout sous les tapis pour voir s'il y a quelque chose. Et bah j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Donc il n'est pas dans le... Le doudou, il t'a dit quelque chose avant de partir ou avant que tu le perdes? Non, il m'a rien dit. Il t'a même pas dit genre qu'il voulait jouer à cache-cache avec toi? Non. Non, donc tu l'as perdu comme ça? Oui. Ok, bon, éloigne-toi du lit, je vais regarder s'il est pas sous le lit par hasard. Peut-être que tu l'as fait tomber pendant la nuit. Non, il est pas là. Alors là les amis, du coup je sais pas trop où est-ce qu'il pourrait être. Il est pas dans le lit, il est pas sous les tapis. Est-ce que je pourrais juste enlever les bibliothèques pour voir s'il y a pas quelque chose en dessous? Ouais. Ok, bon c'est parti, du coup on va enlever les bibliothèques. Ok, donc là il y a rien, d'accord. Ok, bon là il y a rien, tac, on va regarder là, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il y a rien. Ok, là, ok, oh oh. Bah les gars, ok, donc on a un coffre les gars je crois là. Alors donc du coup tac, on va aller voir. Peut-être qu'il y aurait un doux caché là-dedans. Qui sait? Qui sait, qui sait. Donc c'est parti, les amis, vous êtes prêts, tac, on n'a plus qu'à ouvrir juste en dessous, on n'a plus qu'à casser le bloc au-dessus, tac, et là, attention, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans, 3, 2, 1, oh, oh, Choupi, regarde ce que je viens de trouver, Choupi, regarde. Doudou. Doudou, mais ouais, mais qu'est-ce qu'il faisait là, regarde, il était caché sous la bibliothèque, là, qu'est-ce qu'il faisait là, c'est toi qui l'as mis là-dedans? Je sais pas, non. Ok, bon bah je sais pas non plus qu'est-ce qu'il pouvait faire là, qu'est-ce qu'il peut faire là, pardon. Bon bah du coup en tout cas bonne nouvelle, j'ai quand même réussi à te le retrouver. Du coup est-ce que tu aurais pas un petit cadeau à m'offrir? Parce que voilà, j'ai retrouvé quand même ton petit doudou et tout, c'est plutôt sympathique moi je pense. J'ai un tapis rouge. T'as un tapis rouge pour moi? Et bah c'est gentil, tiens. Bon les amis, nous on va voler la télé de Choupi. Non, on va pas lui voler, on va lui laisser parce qu'il a l'air d'être un petit peu triste quand même, hein, je vais pas vous le cacher. Tac, nous on va enlever... Du coup tout ce que j'aurais pu prendre, voilà, c'est bon, c'est nickel. Ok, bon et bah du coup là, du coup moi je vais te laisser Choupi. J'espère que ton petit doudou il est content. J'espère qu'il attendait que toi en fait. Je pense qu'il t'attendait que toi, non? Je sais pas. Et bah du coup bah maintenant je pense que tu vas être content. Bon du coup moi je vais Choupi, donc j'espère que c'était c'était plutôt cool, t'as été très gentil avec doudou. Et du coup moi j'y vais, allez à plus Choupi. A plus. Bon, une chose de faite en plus, voilà, je pense que une histoire de régler, c'est plutôt cool. Donc du coup, voilà les amis, donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va tout simplement attendre qu'il fasse nuit dehors, parce que pour l'instant, il fait encore jour. Et dès qu'il fait nuit, les amis, je reprends tout simplement la vidéo, et on va du coup aller dans la toute dernière base, celle de Choupi, à 3h du matin. A tout de suite. Ok, donc du coup les amis, on se retrouve maintenant pour la dernière du coup partie de la vidéo. Donc c'est parti, on va rentrer dans la base du Choupi à 3h du matin. Donc je pense bah on y go, c'est parti, 3, 2, 1, bah c'est parti, tout simplement on va monter un petit peu. Alors hop, on va monter tranquille, voilà, hop, ok. Bon, c'est nickel, donc on est arrivé en haut, on va aller voir du coup, est-ce qu'il y aurait pas Choupi pas... Oula les gars, il y a un Choupi qui est ensanglanté de partout, je sais pas si je peux rentrer là-dedans ou pas. Bah allez, on va rentrer, vous êtes prêts, 3, 2, 1, go, oh, 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 coucou Choupi. Bonjour. Oula, bon, c'est pas que je commence à avoir un petit peu peur, mais salut Choupi, du coup, est-ce que t'aurais besoin d'aide pour quelque chose en particulier ou non? Oui, j'ai besoin d'aide. Tu vois le coffre ici? Ouais, le coffre, qu'est-ce qu'il y a le coffre? Tu trouveras des gouttes de sang. Ouais. Il va falloir mettre des gouttes de sang dans chacun de ces... Donc, tu veux que je mette des gouttes de sang dans chacune de ces bassines qu'il y a là? Oui, c'est ça. D'accord, ok, bon bah pourquoi pas. Bon bah c'est parti les amis, donc du coup on va voir qu'est-ce qu'il y a. Ok, donc dans le coffre les amis, comme vous pouvez le voir, on a du colorant, donc on a à peu près ok, donc on a 11 colorants, donc va pas falloir que je me loupe. Donc on a combien de seaux? On en a un, enfin combien de seaux? Combien de chaudrons? On en a 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bon c'est parti, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du coup 5 colorants ici, voilà, comme ceci.
Donc voilà, donc ils sont juste là, ils sont plutôt sympathiques. Donc c'est parti, on va aller prendre un colorant et on va en mettre dans chacun de ces trucs. Ok, donc voilà. Hop, une bassine en sang de plus. Tac, hop, une bassine en sang. Hop, une bassine en sang. Voilà, je pense qu'en fait, au final, c'est pas non plus trop compliqué. Tac, voilà. Ok, et pour finir, voilà, c'est parfait. Ok, bon, Choupi, si je dis pas de bêtises, je crois que je viens de te mettre tes bassines toutes ensanglantées de partout. Et pourquoi tu sors une épée? Ok, bon bah c'est cool. Tiens, je vais te donner du coup les restes de colorant qui me restent. Donc du coup, tiens. Il me manque un peu de sang. Pardon, tiens. Il me manque du sang pour une autre personne. Hein? Non, c'est pas du tout ce que tu penses, hein. Genre, c'est cool, mais ouais, non, on va éviter, d'accord? Bon, moi je vais rentrer chez moi, je pense. Et d'accord. Hein? D'accord. Ok. Bon, les gars, hop, on va juste prendre la fuite vers là-bas. Ok. Bon, les gars, du coup, je viens de partir tout simplement parce que je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Tout simplement, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'en fait, Choupi veut tenter de me tuer. Sauf que, bah, moi, non, j'ai pas envie que Choupi me tue. Ce serait un petit peu. Voilà, ce serait un petit peu dommage, quoi, qu'il me tue comme ça. Donc, du coup, voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre aussi un petit pouce bleu. Et donc, du coup, nous, les amis, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Restez bien abonnés à la chaîne. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore parce que c'est gratuit. Mais un jour, ça deviendra payant. Et à partir de là, je ne pourrai plus vous demander de vous abonner. Donc abonnez-vous dès maintenant. Et sur ce, moi je vous dis à demain. Allez, ciao ciao. Hep hep hep, t'allais vraiment regarder la vidéo sans mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite? Et bah tu sais quoi, mets-le dès maintenant en appuyant sur soutenir un créateur, twinner-du-bas-de-l'XR, tu mets accepter et tu pourras participer à un concours pour gagner des V-Bucks. Allez voilà, sur ce je te dis bon visionnage.